D'un point de vue historique, les années 50 représentent un peu le dernier champ du cygne de l'élégance. C'est vraiment une décennie où il y a encore beaucoup de maisons de couture à Paris. À la fin de la décennie, ça va considérablement diminuer sous l'influence démocratique du prêt-à-porter. Et puis d'un point de vue stylistique, il y a pour tout un chacun le souvenir d'une mode qui reste insurpassée dans son raffinement, sa sophistication, dans ses tissus, dans les couleurs, dans les formes. C'est le règne de quatre grands couturiers qui sont Christian Dior, Balenciaga, Jacques Fatt, Pierre Balmain. Mais c'est aussi le règne de beaucoup de maisons de couture qui donnent une mode, on va dire, de la plus ravissante à la plus sophistiquée. C'est resté, en tout cas pour tout un chacun, une décennie très inspirante. Dans les années 50, il y a encore, pour les femmes qui en ont les moyens, c'est pas le cas de toutes les femmes bien évidemment, il y a la possibilité de pouvoir s'acheter des vêtements et changer de toilette 5 à 6 fois par jour. On peut avoir un tailleur du matin, une robe pour le déjeuner, un tailleur de début d'après-midi, une robe de fin de journée, une robe de cocktail, une robe de bal, une robe à danser. Ça peut paraître un petit peu superflu et très fastueux, mais c'est encore l'exercice d'une certaine une forme de mondanité qui va disparaître. Et les protestations de Marilyn Monroe et Gina Lollobrigida qui plaident pour leur sein, à nous maintenant. Les petites boutiques vintage, ça pousse comme des petits champignons en ce moment. On va dire depuis 2009-2010, c'est devenu vraiment la mode. Grâce, en fin de compte, surtout aux séries américaines, dont Mad Men.
Là, donc, je vais vous montrer une robe typique des années 50. Donc, tout en voilage avec son jupon d'origine à l'intérieur. Il y a le côté vraiment nostalgique, vu qu'on est en pleine crise et tout ça. Donc, les gens regardent toujours en arrière comment c'était. Et c'est vrai que les années 50, c'était vraiment la découverte de tout, quoi. Mais alors là, ici, nous avons un rayon spécial années 50. Et donc, ça y va, de tout ce qui est robe, petite robe en dentelle, les petits chemisiers d'époque. Hop, attendez, je vous mets ça comme ça. On attend le goût. C'est vraiment très, très féminin. Après, c'est vrai, il ne faut pas la porter peut-être total look années 50. Donc, il faut accessoiriser avec les accessoires d'aujourd'hui, quoi. Tout est un peu vulgaire maintenant, si j'ose dire. Voilà, des vêtements classe, on n'en trouve pas, on en trouve plus beaucoup. Toi, t'aurais dû la filmer, Katia, ça. Des années 50.